sort Montreux, il y a des alcooliques. Putain, je vous reconnais là, les Vaudois, j'adore ça, putain, c'est trop bon. Moi, j'adore la bière, j'adore la fête. J'aime tellement la bière que quand j'achète un pack de 12, c'est-à-dire à peu près tous les jours, je me dis, je vais plutôt prendre de la 1664 que de la Heineken. Parce que la 1664 est à 5,5%, la Heineken est à 5%, ce qui fait qu'au bout de 10 bières, t'en gagnes une. Et comme une carte de fidélité, le truc, tu vois. J'aime tellement faire la fête que j'en ai des problèmes avec mon voisin du dessous. Mon voisin du dessous, il m'a fait acheter des petits coussinets à mettre sous mes chaises, comme ça, elles ne grincent plus, tu vois. Et il fait un truc, c'est qu'à chaque fois que je fais trop de bruit, il prend son balai et il tape comme ça. Po, 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 po. L'autre jour, j'étais un peu vénère. Je suis descendu chez lui, j'ai sonné à sa porte, je lui ai donné un petit coussinet à mettre sur son balai. M'embête plus, hein. Hier soir, j'étais ivre mort. J'ai réussi un coup de génie. J'ai réussi à rentrer chez moi en Uber Eats. Ouais, ça a l'air d'en t'intéresser. Je t'explique la méthode. Tu te poses devant un kebab, tu commandes un kebab jusqu'à chez toi. Quand le pauvre mec sous-payé arrive avec son vélo, t'es là, bah vas-y, prends-moi, ouais. Ah ouais, je suis un peu beauf, hein. Alors la preuve, c'est que j'aime le foot. Alors que je comprends rationnellement que c'est débile, le foot. Genre Neymar, il a coûté 220 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Et là, vous me regardez, genre, c'est normal, 220 millions d'euros. Même à Montreux, c'est beaucoup d'argent, 220 millions d'euros, non? 220 millions d'euros, on est sur le prix de 22 millions de kebabs. Fais le calcul. Le saviez-vous? Sur Internet, on peut louer des nains. Je te jure, c'est une vraie info. T'as l'air choqué, je te jure, c'est une vraie info. Pour 300 balles la soirée, tu peux avoir un nain sur Internet. Moi, j'ai appris ça, j'étais choqué. J'écris des blagues tous les jours, je ne fais pas 300 balles la soirée alors qu'un nain qui a rien foutu. Enfin, bref. Au prix de Neymar, tu peux avoir 667 000 nains. Tu la gagnes, la Ligue des Champions, tu fais un délire, t'en empiles deux pour aller au goal, non c'est... Ok, là, il y a un moment, Montreux, faut rentrer dans mon univers, d'accord? Je peux pas tout faire tout seul. Faut visualiser 667 000 nains avec le maillot du Paris Saint-Germain. Et Lionel Messi, c'est marrant parce qu'il est petit. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire cette blague à toi, tu vois. J'aime bien le foot, quoi. J'aime bien le foot. J'aime bien les jeux vidéo aussi. Je joue beaucoup à un jeu vidéo de foot qui s'appelle FIFA. Sauf que moi, je suis tellement un flemmard que je fais les matchs de FIFA à la machine contre la machine et je regarde. Là, en ce moment, il y a un autre jeu que je kiffe, mais qui est encore plus débile, c'est Candy Crush. Et je me suis toujours demandé pourquoi j'étais accro à Candy Crush, et je pense que c'est pour la même raison que je suis sur scène ce soir. J'ai besoin d'amour. Et dans la vie de tous les jours, on a tous besoin d'amour. On fait tous des trucs merveilleux juste pour que ton père te fasse « Oui, je suis fier de toi », juste pour que quelqu'un te dise « Bravo, c'est bien ce que tu fais ». Ça n'arrive jamais. Tout d'un coup, t'ouvres Candy Crush, t'empiles trois bonbons, c'est pas dingue. Il y a une voix off qui fait « Sweet ». Oh my god! Et toi, t'es là, ouais, j'ai besoin de ce genre d'endorphine, tu vois. Parce que jamais quand tu rentres ivre mort chez toi à 3h du matin et que par chance tu te rappelles du code de ton digicode, y'a jamais une voix off qui fait sweet! Oh my god! That's memory! Who is this boy with the bike and the sweet potatoes? C'est-à-dire que je suis rentré en Uber Eats. J'ai une copine. Et ça se passe bien avec ma copine, mais il y a un problème, c'est qu'elle respecte pas mon travail. Je te jure, elle ne respecte pas mon travail. Ce soir, je lui dis, chérie, je vais à Montreux, je vais bosser. Elle m'a fait, ouais, tu vas juste te bourrer la gueule et parler à plein de gens que tu connais pas. Elle a raison, c'est ce qui se passe, d'accord? Mais c'est un travail, j'écris des blagues régulièrement. Pas plus tard que l'autre jour, je lui dis, chérie, je vais aller écrire des blagues dans un café. Et je commence à écrire des blagues dans un café et je me sens inspiré, tu vois, j'écris. Elle arrive une heure plus tard avec son arrogance et elle me dit « Mais t'es pas censé écrire des blagues, pourquoi t'as une calculette ?» J'étais là « Mais putain, je suis en train de convertir Neymar en nain, en fait !» Respect. Hein. J'ai fait un truc pour la première fois avec ma copine, c'est que je suis allé me faire dépister pour le sida. Des gens sont déjà allés se faire dépister pour le sida. Ah, il y a plus d'alcooliques, hein. C'est... Quand tu vas te faire dépister, la première question que te pose le médecin, c'est au cours du dernier mois, combien de partenaires sexuels différents avez-vous eu? Alors moi, la bonne réponse, c'était une, mais je sais pas pourquoi. Pris dans l'ambiance de l'endroit, j'ai dit 12. Comme si dans ma tête, le médecin allait faire « Ah bravo, ouais.
Monsieur, vous avez peut-être le sida, mais prenez ce pins. Vous êtes le meilleur baiseur du mois. 12, 12, Christine, faites sortir les stripteaseuses. 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, sweet. Oh my god, that's memory. J'étais content, j'avais pas de maladie. Je suis content d'avoir pas de maladie parce que moi j'ai envie d'être âgé, quoi. Même plus que ça, j'ai hâte d'être vieux, quoi. Ouais, j'ai hâte d'être vieux, juste pour pouvoir une fois rentrer dans un bus, comme ça, attendre que quelqu'un me propose sa place et pouvoir faire « Non !» C'est celle-ci que je veux, et pointer quelqu'un de très faible, tu vois, Non. Et on a tendance à oublier que notre génération, la jeune génération, on va tous devenir vieux en même temps. On a tendance à oublier que les Kevin d'aujourd'hui sont les Robert de demain. Que bientôt on va pouvoir rentrer dans une maison de retraite, dire « Excusez-moi monsieur, comment vous appelez-vous » et la personne va dire « Oh, je m'appelle Steven, mais dans le rap game on m'appelle MC Tagada, brrr, 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 change ma couche !» Ça va arriver, tu vois. Moi, ouais. Et moi je me promets un truc. C'est que quand je serai yeuve, je ne mépriserai pas la jeunesse. Parce que de tout temps, les générations s'enchaînent comme ça et se crachent dessus. De tout temps, la vieillesse a détesté la jeunesse. Et quand moi, je vois un mec de 60 ans dire à la télévision, avec son costard et son mépris, que la nouvelle génération est une génération de branleurs, j'ai envie de lui cracher dessus un truc aussi dégueulasse que la planète qui nous a laissé, tu vois. Parce que les mecs de 60 ans, ils sont nés dans un monde, ils avaient le plein emploi, ils avaient des ressources à foison, ils avaient Jacques Brel. Ils nous ont laissé un monde avec une crise économique, avec une crise écologique et avec crise Toff Mahé, d'accord? Il est dans ton cul, le bonheur. À force de technologie, on commence à manquer de logique. Plus on avance, plus on recule. Ce qui fait qu'on est une nouvelle espèce d'être humain que j'ai nommé l'homme moderne. Pour vous situer, l'homme moderne, c'est quelqu'un, il est capable d'aller au fitness avec son scooter pour y faire du vélo. Il télécharge Google Maps, il pourrait voir les merveilles du monde entier. Première chose qu'il fait, c'est qu'il regarde Samsung. T'y es ? Il va au McDo, il prend un double menu Big Mac avec des potatoes et des grandes frites, mais il prend un Coca Light parce qu'il veut pas grossir, l'homme moderne. Il regarde son téléviseur, il y voit une pub qui essaie de lui vendre un autre téléviseur. Alors il regarde son ordinateur, il y voit une pub qui essaie de lui vendre un autre ordinateur. À quel moment il va se dire « Ah, ça a l'air pratique ce machin, faudrait que je m'en achète un », mais en même temps c'est possible parce que l'homme moderne il est débile. Il croit que le Che Guevara c'est une marque de t-shirt. Il aime pas les réseaux sociaux, il s'en plaint en faisant des publications sur Facebook. Mais faut voir dans quel monde il vit, l'homme moderne. À force de réchauffement climatique, aux Pays-Bas on a vu des gens aller à la piscine en nageant. Mais c'est rien comparé aux États-Unis, à force de malbouffe, on a vu carrément des gens aller au bowling en roulant, tu vois. Alors... Face à ça, l'homme moderne, il veut être économe, alors il prend pas de bain, mais il chie sur de l'eau potable. Il veut être économe, alors il regarde Bambi, la larme à l'œil. Mais il mange de la viande, le sourire aux lèvres. Il mange d'ailleurs tellement de viande que bientôt les enfants de l'homme moderne, ils vont manger du poulet pour la première fois, ils vont dire « Ah, ça a le goût de grillon, non ?» Parce que l'homme moderne, il a pas le temps, à 7h, il se réveille, à 19h, il a sommeil. Entre les deux, il travaille, il est pire du bétail. Sa vie, elle va plus vite qu'un marathon, il doit toujours être sûr, ne pas y aller à tâtons. Ouais, sa vie est trop dure, il doit fumer pour prendre l'air, être plus qu'enrhumé pour ne rien faire. Il a dû faire un mariage avant l'heure pour avoir un mirage de bonheur. Et ensuite, faut qu'il bosse 50 heures par semaine pour nourrir ses gosses qui lui posent que des problèmes. Et une fois qu'il dorme, faut encore qu'il soit uniforme, faut qu'il tweete au lieu de parler, faut qu'il zappe au lieu de penser, faut qu'il paye pour se divertir. À toutes ces règles, on fait vomir. Alors ce soir, on va essayer de prendre notre temps, de nous étendre un instant, de nous entendre en parlant, de nous comprendre en riant. Si ce monde il devient fou, c'est qu'on manque tous un peu de folie. Si on est tous au bout, c'est au bout de notre ennui. Il faudrait recréer des métiers de création puisqu'on veut tout quitter et passer à l'action, puisque pour l'homme, liberté rime avec libéral, puisqu'à force de trimer, l'humanité se râle, comme on peut en finir de ce monde qui nous écœure. Ce soir, contentons-nous de rire et de respirer le bonheur. Merci de m'avoir écouté.